everyone. Gloire à Dieu, ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. It's really a joy for me to be with you this morning. Merci au groupe de louange pour ce moment vraiment fabuleux dans la présence du Seigneur. Thank you to the worship team for the great time in the presence of the Lord. Je veux vraiment remercier aussi toute l'équipe pastorale de me donner cet honneur et ce privilège ce matin de partager la parole. I really want to thank the pastoral team that gave me the privilege of sharing the word with you this morning. Alors c'était intéressant en préparant mon message d'aujourd'hui. Donc quand j'ai été invitée à prêcher il y a quelques temps. It was interesting as I was preparing my message, then asked me to preach a few weeks ago. J'ai eu tout de suite un thème à cœur que en fait Dieu m'a mis à cœur depuis quelques années maintenant. At that moment the Lord gave me a theme for the message. Et puis les deux derniers dimanches, on a eu des super messages sur le thème de la présence de Dieu. And the last two Sundays we had these powerful messages about the presence of God. Surtout le prédicateur la semaine dernière, je sais pas mais il était en feu. Especially last week. He was an exceptional preacher last week. Et oui. Et donc voilà, donc ce thème aussi me parlait beaucoup. So that was also a theme that was very much on my heart. Et cette semaine, quand je préparais ce message, and when I was preparing my message this week, j'ai eu encore un autre thème à cœur. God put another message on my heart. Et je me suis dit bon, ok. Donc okay. Ça veut dire en gros qu'on va finir vers 14h pour que je puisse faire les trois thèmes. En fait. Voilà. So here I am with three messages, and I thought to myself, we're not going to finish until 2 o'clock. Non, bien sûr, c'est une blague. That's just a joke. Je me demandais, mais ok, Seigneur, j'ai trois thèmes à cœur. Enfin voilà, quel est le message quoi. So I said, Lord, I have these three themes on my heart. What is your message? Et finalement, en creusant, j'ai vu que chacun des trois était lié. And then, as I dug a little deeper, I discovered that all three are really connected. Et donc j'espère que d'ici une demi-heure, vous allez voir justement, tout comme moi, ce lien entre chaque thème. So I hope in the next 30 minutes you'll be able to see that connection as I did this week. Donc je vais commencer par la prière et puis on va plonger dans la parole. We're going to pray and then we're going to dive into the Word of God. Alléluia, vraiment merci Seigneur pour ta merveilleuse présence. Thank you, Lord, for your wonderful presence. Merci pour qui tu es, Seigneur. Thank you for who you are. Tu es saint. You are holy. Tu es merveilleux, Seigneur. You are magnificent. Tu es juste extraordinaire. You are extraordinary. Et c'est un vrai plaisir de te connaître, Seigneur. It is such a privilege to know you. Et ce matin, on veut te connaître davantage. This morning we're here because we want to know you even more. On veut en savoir plus sur ta volonté pour nous, Seigneur. We want to know your will for our lives. Et on veut être transformé à ton image. And we want to be changed into your image. Donc Seigneur, on te demande de nous donner un esprit de révélation, Seigneur. Lord, we ask you to give us a spirit of revelation. Avec un esprit de sagesse. Accompanied by a spirit of wisdom. Dans toute la connaissance de Christ. In all of the knowledge of Christ. Tu ouvres nos yeux, open our eyes. Nos oreilles, notre cœur, Seigneur, ears, our hearts, pour entendre, voir et recevoir tout ce que tu as pour nous. To be able to see and hear and receive everything you have reserved for us. Dans le nom de Jésus, amen. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Alors, on va commencer dans Matthieu chapitre 18. We're going to start by looking at Matthew chapter 18. Je vais lire plusieurs versets de tout le chapitre. On va sauter quelques versets, on va dire qu'on va mettre de côté pour aujourd'hui, mais. We're going to read several verses from this chapter. Please follow along in English as I give you the verse. Donc, Matthieu, chapitre 18. Starting with Matthew 18. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. On saute au verset 9. We're going to jump to verse 9. Si ton œil cause ta chute, arrache-le et jette-le au loin. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. On saute au verset 12. We're going to read from verse 12 to 18. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée? Et s'il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père Céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute.
S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un collecteur d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Verset 21. Verse 21. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irai-je jusqu'à 7 fois ?»« Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » Et on va s'arrêter là. Alors vous allez me dire, ok, il y a plein de choses intéressantes, mais où est-ce qu'on va avec ce passage? You're probably saying to yourself, there's so many things in this passage. Where are we going to go with all this? Vous allez voir, on y reviendra. We're coming back to it. Alors, j'aimerais commencer ce message aujourd'hui avec une question. I just want to start with one question. Qu'est-ce que l'Église? What is the church? Alors, l'Église dans la Bible, il y a énormément de termes divers qui signifient l'Église. There are so many words for church used in the Bible. En tout cas, ce que nous, aujourd'hui, on comprend comme Église. At least what we understand the church to be. La Bible parle de l'épouse de Christ. For example, the Bible speaks of the bride of Christ. Le corps de Christ. The body of Christ. Dans le Nouveau Testament, on parle aussi de l'assemblée des croyants. In the New Testament, it speaks of the gathering of the sanctified ones or the saints. Et bien que le mot ecclésia, donc église, n'existe pas dans l'Ancien Testament, on peut rapprocher cette notion d'église dans l'Ancien Testament avec la notion du peuple de Dieu. And even though the Greek word ecclesia doesn't appear in the Old Testament, we can associate people of God as the same definition. On parle aussi d'un troupeau. It's also a flock. Et parfois, on fait aussi le parallèle avec ce qu'on appelle le royaume des cieux. And sometimes we make a parallel between the church and the kingdom of heaven. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails doctrinaux sur le royaume des cieux. Today I'm not going to be entering into the doctrinal details about the kingdom of heaven. On a déjà eu des messages très très riches au Bon Berger sur ce thème-là. Je vous encourage à aller regarder sur notre chaîne YouTube. We have had some very powerful messages on that theme here in this church. I encourage you to go back to those on our YouTube channel. Et donc tous ces termes-là, c'est ce que nous aujourd'hui chrétiens, on va dire évangéliques, on a tendance à appeler l'église avec un grand E. But what we see as a tendency today in evangelical circles at least is to speak of the church with a capital C. Donc voilà, église majuscule. Église E majuscule, pardon. So church capital C. Et on fait aussi référence parfois à quelque chose de plus spécifique qui est l'église locale. Then we also talk about something a little bit more specific which we refer to as the local church. Avec un petit E. And that's without a capital. Et souvent cela fait référence à donc on peut en tant que chrétien faire référence à un bâtiment. Sometimes Christians speak of the church as a building. Bien que c'est vrai que en général on dit non, justement l'église c'est pas un bâtiment, c'est les gens qui y a dedans. But generally we are in agreement, right? It's not the building, it's the people in the building that are the church. Alors la définition de l'église locale souvent c'est on va définir ça comme en gros un groupe de chrétiens réunis par un lieu géographique. We're going to speak of a local church as a group of Christians united in a geographical location. Et en théorie la même doctrine ou les mêmes valeurs. Having theoretically the same doctrines and the same values. On parle aussi de l'église locale comme étant une partie du corps de Christ dans son ensemble. A local church is also part of the body of Christ worldwide. Ou une famille ou au moins une partie de la grande famille de Dieu. Or we can say it's part of the greater family of God. Alors c'est vrai que en tant que fille de pasteur, now, as a pastor's daughter, moi dans mon enfance, j'avais l'habitude de voir l'église un peu comme un lieu de travail. I had a habit of seeing the church as a place of work. Et c'est le cas, c'est pas une mauvaise chose, hein. That's not news to you guys, obviously. Même ceux qui sont dans le ministère de façon bénévole considèrent que c'est un lieu de travail parce qu'ils s'appliquent vraiment dans leur mission. Even volunteers can consider the church as a place of work because they're investing their time and their energy. On parle de l'église locale donc comme un ministère. So we can also speak of the church, local church, as a ministry. Ou tout simplement un lieu de culte. Or as a place for a worship service to be held. Et dans mes recherches par rapport à qu'est-ce qu'est l'église,
So when I started to study what is the church in fact? J'ai recherché donc le mot la racine du mot donc église qui est ecclesia. I started by digging into the root word of that church, ecclesia. Et j'ai regardé tous les versets qui contiennent ce mot ecclesia. And I began to study all of the verses that use that particular word. Et ce qui est intéressant c'est que il y avait certains versets dans la version Louis II. There were some verses in the French version of the Bible. Avec donc des versets avec un E majuscule. That used the capital letter. Pour l'église. For the word church. Et un E minuscule, d'autres versets avec un E minuscule. And other verses were using the small letter for the word church. Mais j'ai trouvé ça bizarre parce qu'il y avait certains versets, je m'attendais à voir le E minuscule, mais il y avait un E majuscule. This was what was interesting. Sometimes I expected to see the small letter C, but I discovered the capital letter. Donc je m'explique, dans le livre des Actes. For example, in the book of Acts. On parle de l'église de Jérusalem. We are speaking about the church in Jerusalem. Donc dans ma tête, je me suis dit, bon, géographique, ça va être l'église locale, quoi. So donc, in my mind, it's a geographical location, it's got to be a small letter C. Mais non, en fait, ça, dans le Louis II, c'était marqué avec un E majuscule. In the French Bible, it appeared with a capital letter. Pareil pour l'église d'Antioche, dans le chapitre 13 des Actes. The same thing was true about the church in Antioch. Et même dans le chapitre 14, il y a un verset qui dit, dans chaque église... And even in chapter 14, verse 14? Chapter 14, it spoke of the church with a capital C in every church. Et bizarrement, dans cette phrase-là, dans chaque église, pour moi, c'est dans chaque assemblée, donc on parle de plusieurs églises, donc un minuscule, non? I was expecting a small letter because we're talking about several congregations. Vous me suivez, ça va? Je ne sais pas so si far, vous me posez ces questions. You see my reasoning? Et je me suis dit, bon, bah, ok. Concrètement, qu'est-ce que la version d'origine dit avec tous ces versets? So, I got to the point where I said, okay, we need to look at the original version and what it says. Et en faisant quelques recherches, and as I did my research, j'ai trouvé quelque chose que j'ai trouvé fascinant. I found something very fascinating. C'est que, en fait, dans le grec ancien, in old Greek, le grec ancien en fait était écrit entièrement en majuscules. Was entirely written in capital letters. I didn't know that. Et la distinction entre majuscule et minuscule n'intervient que à partir du Moyen Âge. So the distinction between capital letters and small letters only appeared starting in the Middle Ages. Et donc je me dis, ok Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? And so I said, Lord, what does all this mean? Et je crois fondamentalement que cela signifie. I believe fundamentally this is what it means. Que dans sa parole, en fait, Dieu nous montre qu'il a le même plan pour l'Église mondiale que pour l'Église locale. Quite simply, God has the same plan for the worldwide church as He does for the local church. Pour lui, c'est la même chose. For him, it's the same thing. Alors que nous, des fois, on se borne à se dire, oui, mais bon, ça c'est l'Église avec un grand E, etc. Enfin, on fait tellement la distinction parfois qu'en fait, dans la parole de Dieu, finalement, c'est exactement la même chose. Sometimes we make a big deal about the difference between the local church and the worldwide church, but ultimately, in the Word of God, it's the very same thing. Et du coup, quel est le plan de Dieu pour l'Église? So this is the question, what is the plan of God for the church? Que ce soit un grand E ou un petit E. With a capital or a small one, small letter. Qu'est-ce que Dieu veut de son Église? In other words, what does God want for His church? Qu'est-ce que Dieu veut que son Église soit? What does He want His church to be? On va revenir à Matthieu 18. We're going to come back to Matthew 18. Qui, en fait, j'ai trouvé donner énormément d'éléments pour nous dire justement qu'est-ce que l'Église doit être. Which I discovered gave many different elements about what the church is meant to be. Donc, pour rappel, alors, par exemple, dans le verset 4, on parle du plus grand dans le royaume qui s'abaisse comme un enfant. Moi, ça me parle que l'Église est tout d'abord un endroit d'humilité. For example, in verse 4, he talks about the leader that needs to be as a child if they want to come into the kingdom of God. And to me, that speaks of humility. Dans le verset 9, si ton œil cause ta chute, arrache-le et jette-le au loin. Pour moi, ça me dit que l'Église doit être un lieu de purification. When I read verse 9 that says, if you sin with your eye, take it out and throw it away, to me it speaks of the church being a place of sanctification, purification. Par la suite, quand on parle des brebis, je vois que l'église doit être un lieu où les perdus sont retrouvés. Further on, when we talk about the sheep coming home, I know that the church is meant to be the place where the souls can be saved. C'est un lieu de réunification, de réconciliation avec le Père. It's a place where people are reconciled to the Father. Plus loin, quand on parle donc dans le verset 18, pardon,
Oui, pardon, j'ai oublié. Donc, versets 15 à 17, quand on parle du frère qui s'est rendu coupable, il faut l'amener auprès de deux, trois témoins, etc. Pour moi, ça me parle de ce verset qui dit « le fer aiguise le fer », c'est-à-dire que l'Église doit être un lieu, alors, je dirais de confrontation, mais de la façon de Christ, ok? When I reread verses 15 to 17, where it talks about how you should confront a brother in sin, it reminded me of the verse in the Old Testament about iron sharpening iron. In other words, the church is meant to be a place of confrontation, but in love, the way Jesus did. Voilà, pas confrontation mondaine, d'accord, I'm on est d'accord. I'm not talking about worldly confrontation, confrontation okay? divine, ok? Let's be clear. Le verset 18, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. And verse 18 that says whatever you bind on earth shall have been bound in heaven. Moi ça me parle de l'Église étant un lieu où on exerce l'autorité, la puissance, la juridiction divine. This reveals to me that the church is where the divine authority and divine power is expressed. Et enfin, si ce n'est pas le plus important, and last but not least, 77 fois, 77 times, l'Église doit être un lieu d'amour véritable et de pardon. The church is a place of true love and forgiveness. Alors, bon, c'est super, il y a plein de choses à faire du coup. So all of a sudden we discover all these things we're supposed to be doing. Mais ma question c'est quel est le point de départ finalement? Quelle est la première chose qu'on doit être en tant qu'Église? This is my question. What is our starting point? What's the first thing we need to become as a church? La réponse est dans le verset 3. And I found the answer in verse 3. Vraiment, je vous l'assure, si vous ne bip pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Did you catch that in verse 3? Oups, je crois que j'ai dit un gros mot. Uh-oh, I almost said a bad word when I read it in French. Alors, on va parler d'un mot qui peut déplaire à certains. Listen, we're going to have to talk about a word that is not going to be pleasant for everyone. Un mot qui peut inspirer. It is a word that can inspire you. Mais qui peut aussi irriter. But it is also a word that can irritate you. Un mot qui peut faire rêver. It's a word that can make you dream. Mais un mot qui peut faire peur aussi. But it's also a word that can make you afraid. Et ce mot-là, you saw the word? C'est le mot changement. Change. Uh-oh. Dans ce verset, le mot qui est utilisé pour parler du changement, the word in this passage used to speak of change, c'est le mot trépho en grec, is the Greek word trépho, qui signifie tourner ou se détourner de son ancienne conduite. It means to turn or to turn away from the old manner of doing things. Et il peut aussi, ce mot peut aussi être traduit par se convertir. It can also be translated as be converted. Et pour mieux comprendre vraiment ce que Dieu voulait dans toute sa parole nous communiquer par rapport au changement. So I sought to understand what the Lord was trying to tell us about change in His Word. J'ai cherché aussi quels sont les autres mots qui sont employés dans la version d'origine qu'on traduit aujourd'hui par changement dans la parole. So I began to look for other verses where this particular word for change also appears. Donc il y a deux mots hébreux qui sont utilisés, mais je vais aller plus loin. Je vois que le temps passe vite. I'm just going to give you a summary since the time is going by very quickly. Je vais vous parler de deux mots en grec qui sont utilisés pour parler du changement. Two words in Greek are used to refer to change. Tout d'abord, il y a le mot parallage. The first one is parallage, qui signifie variation ou changement. Which means like a variation or a change. Ce mot-là est composé donc de deux mots, para. The word consists of two parts, para et alasso. Et alasso. Para signifie à côté ou près de. Para means beside or near. Et alasso signifie changer, transformer. Alasso means to be changed or transformed. Tiens, c'est intéressant. So c'est pas juste le mot changer, transformer, c'est à côté du changement. So the word itself doesn't just mean change. It means beside or near. Et il y a un verset dans le Nouveau Testament qui utilise ce mot-là. There's one verse in the New Testament that uses this word. C'est Jacques 1:17. James 1:17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel
il n'y a ni changement ni ombre de variation. That's the verse that talks about every good gift is from our Father in heaven where there is no change or variation. That's the word. Mais il y a un autre mot en grec qui est utilisé pour parler du changement. But there's also another word used to it's translated by change. C'est le mot métathésis. And that's the word métathésis. Métathésis signifie transfert vers un lieu de, quelque chose pardon qui vient d'un lieu vers un autre. It's a word that means something that is coming from one place and transferred into another place. Ou le changement de choses instituées ou établies. Or it could also mean changing things that have been established or instituted. Ça vient d'une racine pardon qui signifie se détourner, être vraiment changé. And it also comes from a root word that means to turn away from in order to be changed. Donc il y a un mot qui signifie à côté du changement. So the first word means beside change. Et un autre mot qui signifie se détourner. And the second word means to turn away from or to receive a transfer. D'un lieu à un autre. From one place to another. On n'est plus dans celui-là, on est dans un autre. In other words, you're not in this place anymore, you're in another place. Ça signifie qu'en fait parfois, on peut penser changer. Now, sometimes, this is what it means to me. Sometimes we think that the word change. Mais est-ce que, en fait, on pense qu'on est en train de changer. We think we've been changing. Mais est-ce qu'on serait pas juste à côté du vrai changement? But I wonder if sometimes we're not really beside the true change that has to take place. Parce que le vrai changement, c'est un mouvement, on se déplace, on est carrément dans un autre endroit. Because real change means you're being transferred or you're moving from one place to another. Qu'est-ce que tout cela veut dire, finalement? So, if we look at all of this, what does all of it mean? Je suis convaincue que ça signifie que on peut pas se considérer chrétien si on refuse de changer. In two words, I think you cannot be called a Christian if you refuse to change. Car Dieu a prévu pour son Église un vrai changement. Because that is what God intended for His church, real change. Amen. Amen. Et ce changement-là, on peut penser que oui, bon bah, je suis chrétien, c'est-à-dire que j'avais une ancienne nature, j'ai une nouvelle nature, je me suis converti, donc je suis changé. So some people will say, well, I've been born again, I'm converted, therefore I'm changed. Et c'est vrai. And it's not false. Enfin, normalement, oui, vous êtes différent. You should have a new nature. Quand vous acceptez Christ, n'est-ce pas? If you accept Jesus as Lord and Savior. Mais il y a énormément de choses dans la parole de Dieu qui nous montrent que le changement, c'est pas juste à la conversion. However, there are so many things in the Word of God that show us that that change shouldn't just take place at your conversion. Je vais vous citer deux exemples. Let me give you two examples. 2 Corinthiens 4:16. 2 Corinthians 4:7. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. It's talking about the inner man being renewed day by day. Colossiens 3:9-10. Colossians 3:9-10. Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, donc un vrai changement, n'est-ce pas? Mais l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. So you've taken off the old self, you've put on the new self, but it doesn't stay the same. It's being renewed day by day in the knowledge after the image of its creator. Et je veux aller encore plus loin. Let me go a little bit further now. C'est que non seulement Dieu veut qu'on soit converti, donc changé quand on accepte Christ dans notre vie. Not only does God want us to be converted, changed when we accept him as Lord. Non seulement est-ce qu'il veut qu'on change de façon quotidienne et transformé constamment par lui. Not only does he want us to be changed and renewed and transformed day by day. Mais est-ce qu'il veut pas qu'on aille encore plus loin que ça? Isn't it true he wants us to go even further than that? Est-ce qu'il ne voudrait pas de son église? Doesn't he want his church? Qu'on commence à aller et changer le monde autour de nous. To begin to change the world around us. Et c'est finalement là la mission de l'église. That's the mission of the church. C'est être un acteur du changement. To be an instrument of change. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? What makes me say that? Je vais vous poser une question. Quelle est la mission des chrétiens? Let me ask you a question. What is the mission entrusted to Christians? Quel est notre appel?
What is our calling? Exactement. Alors, donc vous connaissez tous le verset, normalement. You know the verse, usually, probably. Matthieu 28, versets 19 et 20. Matthew 28, verses 19 to 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Go therefore and make disciples of all the nations and teach them what I've taught you. Mais faire des nations des disciples, making the nations disciples, est-ce que ce n'est pas changer les nations Doesn't en that disciples? Mean changing the nations? Amen. Amen. Donc quand on se pose la question, ok, bon, l'église locale, quel est vraiment l'objectif de l'église locale ou de l'église mondiale, ou moi en tant que chrétien, quel est mon appel? So we might be asking the question, what is the objective of the local church, of the worldwide church, or of me personally? Bah, vous avez la réponse. You have the answer right there in the verse we just read. Le changement. Change. Le changement en That's soi. It. Changing yourself. Et le changement tout autour de nous. And changing those around you. Amen. Come on. Alors vous allez me dire, ok, bah c'est bien beau tout ça. Moi j'ai bien envie de changer les choses, mais comment? So you might be saying, well, that's a great message, but what do I do to change? Alors il y a plein d'outils que finalement le Seigneur nous donne pour opérer un changement. The Lord has actually given us many tools so that we can cause change to take place. En nous et autour de nous. He has put them in us, and he wants us to change on the inside, and he wants to change those around us. Il y a bien évidemment sa parole. His word, number qui one. Nous, qui opère un changement dans nos vies en apprenant plus de qui il est. On est transformé en son image. Amen. His word creates in us change as we get to know better who he is. Il nous a donné aussi un outil très très puissant. He gave us another very powerful tool. Qui est tout simplement le pouvoir de notre volonté. Which is the power of our will. Comme on dit, comme disent les bons français, quand on veut, on peut. That's a great saying in French. Bah voilà, la volonté, c'est quelque chose que Dieu nous a donné. C'est un outil pour le changement. Listen, your will is what God gave you to make you an instrument of change. Il y a aussi plein d'autres choses. On peut être formé, enfin, à travers plusieurs, enfin, toutes les formations qui existent, on peut être changé. On peut utiliser ça comme un changement. You can be changed as well by the different types of training available to you. De façon quotidienne, tout simplement prendre les bonnes décisions pour opérer un changement. You can make good decisions on a daily basis to produce change. Mais il y a un élément qui pour moi est essentiel pour que le vrai changement se produise. There's one thing in particular that I consider essential for true change to take place. Et je pense que si vous êtes dans cette église aujourd'hui, c'est que vous êtes d'accord avec ce point. And if you're in this church today, I think you will agree with me. C'est sa présence. It's his presence. Amen. Amen. On ne peut pas vraiment changer si on n'est pas accompagné de sa présence. Listen, we cannot change if we are not in his presence, accompanied by his presence. Si vous avez déjà goûté, ne serait-ce qu'une fois dans votre vie, vraiment cette présence. If you've ever tasted of the presence of God in your life. Alors vous savez de quoi je parle. You know what I'm talking about. On ne peut pas rester le même. You can't stay indifferent. You can't remain the same. Dans un temps très, très intime que j'ai eu avec le Seigneur la semaine dernière, last week when I had a very intimate moment with the Lord, j'ai eu une définition de la présence de Dieu qui m'est tombée dessus. Ça m'arrive très rarement. Enfin, c'était peut-être même la première fois. It was like a definition of the presence of God just fell on me from heaven. It doesn't happen all the time. La présence de Dieu, c'est l'atmosphère qui incarne l'essence même de sa nature. The presence of God is the atmosphere which incarnates the very nature of God. Or embodies. I like embodies. I like that word. Embodies. C'est ce que j'ai reçu en anglais. Donc la présence de Dieu, c'est l'atmosphère qui incarne l'essence de la nature de Dieu. The atmosphere that embodies the very essence of God's nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est que sa présence, c'est lui. The presence we speak of, it's himself. He Amen. Himself. God himself. C'est pas quelque chose de mystique, de lointain ou
d'imaginaire. It's not something just imaginary or mystical or distant and ambiguous. C'est quelque chose qui est c'est une atmosphère qui est concentrée. It's like an atmosphere that is concentrated de lui. And it's full of him. Amen. Amen. Et donc bien sûr, on peut pas rester inchangé dans sa présence. When you encounter that atmosphere, of course you cannot remain unchanged. Alors bien sûr, dans sa présence, sa présence peut se manifester de façon différente. Now his presence can manifest in different ways. Des fois, sa présence a un niveau d'intensité différent. It can have different levels of intensity. Et je pense qu'en tant qu'être humain, on a du mal un peu avec ça. On comprend pas pourquoi, pourquoi à ce moment-là c'était super puissant et là non, enfin selon nous. Sometimes it's hard for us as human beings to understand, wow, it was so powerful or so intense at one point, but then not so much at another point. Mais vous imaginez si c'était tout le temps la même chose? But can you imagine what it would be like if it was totally all the time intense? Qu'est-ce que ça signifierait sur la nature de Dieu? What would it say about the nature of God? Qu'il est limité à une seule chose. That he's only limited to that particular expression. Non, Dieu est infini. No, he's so infinite. Dans toutes ses voies, dans toute sa splendeur, sa grandeur, sa puissance. In all of his ways, all of his splendor, all of his greatness, all of his power. Comment est-ce qu'on peut le limiter à agir d'une seule façon? How can you limit God and say that he moves only in this way and no other way? Parce que nous on est confortable avec, du coup ça doit que se passer comme ça. Maybe because we're comfortable with this way. And so that's how it has to happen. Peut-être qu'on doit changer. Maybe we need to change. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour changer? What are you doing today to change? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour changer ta vie? What are you doing today to change your life? Ta relation avec Dieu? To change your relationship with God. Tes circonstances. To change your circumstances. Ton attitude. To change your attitude. Pour changer l'atmosphère autour de toi. To change the atmosphere around you. Pour changer ton entourage. To change the people around you. Ton église, ton quartier. To change your church, to change your neighborhood. Ton pays. Your country. Vous imaginez si chaque chrétien sur la planète Terre. Could you imagine if every single Christian on the planet devenait un vrai agent du changement? Actually became an instrument of change. Juste imaginez ça pour quelques secondes. Just for a few seconds, try to imagine that. Ne serait-ce que juste dans ta vie personnelle. Just imagine your own life, your personal life. Si tu continues à changer vraiment tous les jours. If you continue to change day after day. Avec sa parole et avec sa présence. With his word, with his presence. Et tous les autres outils qu'il nous a donnés. And all the other tools that he's given us. Et que tu commençais à opérer un changement autour de toi. And then you start to see changes happening around you. Mais petit à petit. Little by little. Et vous imaginez l'effet boule de neige. Can you imagine the effect would be like a snowball? Et non seulement toi, mais le Seigneur t'utilise pour ensuite changer les gens autour de toi et ça. Comme un virus, ce sera plus le COVID-19, ce sera la présence de Dieu. Amen. That way, the presence of God could be like a virus because you're changed and then you contaminate all the people around you with his presence as well. Il y a des années, j'avais eu une très bonne conversation avec mon père. Enfin, j'en ai tout le temps en fait. A few years ago, I had a great conversation with my father. Oh, actually, I have them all the time with my dad. Bien évidemment. Obviously. Mais il m'enseignait, je devais peut-être avoir 12-13 ans, il m'enseignait la différence entre, comment dire, entre les différents stades de chrétienté finalement. I was about 12 or 13 years old, and he was teaching me about the different phases of the Christian life. Il m'expliquait, il y a certaines personnes qui. Commence à connaître la présence de Dieu et qui découvre comment consommer la présence de Dieu. He told me about certain people that begin to discover the presence of God and then become consumers in the presence of God. Ce qui est un bon début parce que on peut aussi rejeter la présence de Dieu. Because there are people that reject the presence of God as well. Donc c'est vraiment le bon début. So it's a good starting point. Ensuite, le chrétien qui accélère dans sa maturité. Then there's the Christian that accelerates in his growth, in his maturity. Va commencer
à apprendre comment être porteur de la présence. And then he learns how to be a carrier of God's presence. Mais on ne s'arrête pas là. But that's not where we stop. Une fois que on apprend à porter la présence de Dieu dans notre vie, once you've learned to be a carrier of God's presence in your own life, il est question de la transmettre. The next thing to learn is how to impart the presence of God. Être des conducteurs, des conduits de la présence de Dieu. In other words, be a conduit or a tube, a pipeline of God's presence. On va prendre un petit temps de réflexion ensemble ce matin. I believe the Lord wants us to take a time to reflect this morning. Un temps d'écoute et de concrétisation. A time to listen to him and to make these things a reality. Si je peux vous dire, le Seigneur nous a donné tout ce qu'il nous faut, amen, pour changer. Let me just say this. The Lord has given us everything we need to change. Je sais qu'à certains moments, même moi dans ma vie personnelle, quand je vois que je bute encore sur ça et ça et ça. I know that we all go through this. I experience it personally, where you keep encountering the same thing and you just can't seem to get beyond. Vous savez, il y a 5 ans, quand vous avez vraiment tué un géant dans votre vie. You know, maybe 5 years ago, you really killed, you slayed a giant in your life. Et 5 ans plus tard, d'un seul coup, il réapparaît. On ne sait pas pourquoi. 5 years later, the same giant shows up in your life, and you don't know why. N'est-ce pas? Et on se dit, mais. Has that ever happened to you? T'étais mort il y a 5 ans. Five years ago, you were dead. Comment ça? Enfin, c'est. How can you be back in my life? Et quelquefois, c'est vraiment quelque chose qui peut nous freiner en fait dans notre avancée. And sometimes it's something that really can halt us in our growth, in our advancement. On se décourage tellement, on dit, mais Seigneur, j'avais déjà changé ce point-là dans ma vie, pourquoi ça réapparaît? Because you keep asking the Lord, look, I thought I dealt with this, I thought I already changed in this area, why is this coming back now? Mais Dieu nous a tout donné pour vaincre le géant encore une fois. But the truth is, God gave you everything you need to slay that giant again. Peu importe le nombre de fois où il veut réapparaître. No matter how many times that giant tries to come back. Jésus a déjà tout donné. Jesus gave you everything you need. Il peut pas remourir à la croix pour nous. He can't go back to the cross and die again. Pourquoi? Parce que ça sert à rien. Il a déjà tout accompli. That serves no purpose. He said it is finished. He's Amen. Accomplished it all. Il a déjà tout fait. He did it all. Il n'y a pas quelque chose de supplémentaire que Jésus peut faire pour nous. He can't do something more for us. It's done. Mais est-ce que nous, il y a des choses peut-être supplémentaires que nous, on peut faire en Christ? Are there things that we should perhaps do? Amen. Il a déjà tout donné. But he's already given everything. Et oui, des fois, on est fatigué de encore se relever et encore remettre notre armure et se battre. And I know, sometimes you get tired, you got to get up again, put the armor back on again, be ready to fight again. Mais ce que je veux, je nous encourage vraiment à faire ce que Dieu nous encourage aujourd'hui à faire. I want to encourage you with what God wants to encourage you with today. C'est d'avoir une image devant soi constamment du changement qu'on veut voir. Keep before your eyes an image, a picture of the change you want to see in your life. Ok, je sais qu'aujourd'hui j'ai ces faiblesses-là qui veulent prendre le dessus. For example, you say, okay, I know, I recognize today I have certain weaknesses that want to dominate me. Mais je sais qu'en Christ, je suis comme ça. But I know, in reality, in Christ, I'm like this. Okay, donc ça, c'est le changement que je veux voir. So this is my goal, that's the change I want to see. Et tous les jours, tous les matins, quand on se réveille. And every morning, when you wake up. Mettons cette image devant nous, you devant les yeux. That image before your eyes. Okay, Seigneur, okay, voilà Lord, qui je suis vraiment. Okay, I'm not going to base myself on who I am. Voilà qui je suis réellement en toi. This is who I am in you.
Voilà qui tu veux que je sois. This is who you meant me to be. You want me to be. Et aujourd'hui, je deviens cette personne. And today, I'm going to do everything to become that person. Et le soir au coucher, s'il faut remettre une couche, on remet une couche. And before you go to bed at night, if you need to do the same thing again. Oh, ok. Aujourd'hui, il s'est passé ça. Oh, mince, j'ai fauté ici. All right, I blew it today. This happened, so yeah. Ne faites pas comme moi, surtout en ce moment avec les hormones. Don't be like me, especially at this time with all the hormones jumping around. Aie pitié, je suis horrible. Mercy, have mercy. J'ai vraiment trop souvent des moments comme ça. I have too many moments like that. Et c'est ce que je veux changer. But that's what I want to change, amen. Encore une fois le soir. Ok, Seigneur. Okay. Peu importe ce qui s'est passé dans la journée, voilà le changement que tu veux voir en moi. Before I go to sleep, I know what happened today, Lord, but I also know what I want to become. Voilà le changement que je veux en moi. This is the change I want to see happen in my life. Et donc, j'agis pour devenir cette personne. So, I'm going to act in order to become that person. Et pour toutes les choses autour de nous pour lesquelles on se plaint constamment. And for the things around us that we're always complaining about. Oh, mais il y a ci, il y a ça, mais pourquoi ça change pas? Non, si ça change pas, c'est peut-être que Dieu veut t'utiliser pour changer cette chose. You see the things, you say, oh, these things never change, why is this happening? Maybe it's because God wants to use you to create the change. Amen, donc on va faire un petit exercice ensemble. So today we're going to do something different and do a little exercise together. On va vraiment partir dans le concret, mais je pense que c'est un exercice que Dieu peut vraiment utiliser un peu comme une feuille de route quotidienne. And I really want to do something concrete because I believe God wants to give you like a map towards your goal. On va passer un moment vraiment d'écoute avec le Saint-Esprit. We're going to take a few minutes and listen to the Holy Spirit. Et mettre en place des actions dans notre vie pour opérer un changement. And we're going to determine which actions we're going to take to create change in our lives. Vous êtes prêts à faire ça ensemble? Are you ready to do that all together? Even at home. Alors, je vous invite donc à prendre un papier et un stylo si vous avez. Let's start by getting a piece of paper and a pen. Ou si vous n'avez pas, puisque on vit dans le monde moderne aussi, vous avez le droit de sortir votre portable. Or you can bring out your telephone. Ou pour ceux qui nous regardent à la maison, si c'est plus pratique de taper aussi dans votre ordinateur, il n'y a pas de souci. If you're watching on your computer today, just use the computer and open up a document. On va noter trois choses. We're going to be writing down three things. Qui vont s'appliquer dans trois domaines différents. And these three things will apply to three different areas of our lives. Le premier domaine, c'est dans ma vie, dans mon être. First area is in my life, in my own personal being. La deuxième chose, c'est dans mon entourage ou mes zones d'influence. The second area is in my sphere of influence. Donc ici, on peut regrouper tout. Quand je dis entourage, c'est pas nos proches, ça peut être ma famille, mais aussi mon lieu de travail, mes amis, mon quartier. So I'm not just talking about our current family, but it could be my neighborhood, my workplace, my friends. C'est notre sphère, quoi. The whole sphere of influence that my life can impact. Et le troisième domaine, dans mon église. The third area, in my church. Est-ce qu'on peut mettre une petite musique de fond? Je pense que c'était prévu. Je ne sais pas si c'est possible. Oui, il est là. Merci. Et donc vraiment, Saint-Esprit, dans cet exercice, on veut vraiment venir devant toi. Holy Spirit, by doing this exercise, we simply come before you now. Et on veut vraiment voir un changement dans nos vies. Because we truly desire to see change in our lives. Et un changement autour de nous. And change around us. Donc inspire-nous Saint-Esprit en écrivant ces quelques mots. We ask you, Holy Spirit, to inspire us as we write. Pour que ça soit pas juste un geste qu'on fait là tout de suite et qu'on oublie dans 20 minutes. Because this is not meant to be an activity that we do now and forget 20 minutes later. Mais que ce soit vraiment quelque chose qui nous guide quotidiennement. We want this to be something that will guide us every day. Tout simplement un outil que tu vas utiliser pour accélérer le changement dans nos vies. We pray that you would make this a tool to accelerate change in our lives. Donc je vous invite maintenant à noter tout d'abord. So this is the first thing I invite you to write down. La chose numéro une, la chose essentielle que je veux voir changer. The main thing, the number one thing that I want to see change.
La chose que je veux voir changer dans ma vie. In those three areas. Number one, in my personal life. Deuxièmement, dans mon entourage. Secondly, in my sphere of influence. Voilà, mes sphères d'influence. Troisièmement, dans mon église. Thirdly, in my church. Je vous invite vraiment à être précis, à être honnête avec vous-même aussi. Vous inquiétez pas, on va pas récolter les papiers à la fin. Let me encourage you to be brutally honest with yourselves. Be sincere. We're not going to collect these papers, okay? Vraiment, sondez votre cœur et écrivez la première chose qui vous vient à l'esprit. I would like you to just dig in your heart and write down the first thing that comes to mind. Quelle est la chose numéro une que je veux changer, que je veux voir changer dans ma vie, dans mes sphères d'influence et dans mon église? What is the main thing, the number one thing that I want to see changed in my life, in my sphere of influence, in my church? Ça peut être quelque chose de spirituel, mais aussi de très concret, matériel. It could be something spiritual. It could be something concrete, material, tangible. Par exemple, dans mes sphères d'influence, je peux souhaiter, par exemple, la réconciliation avec Christ dans toute ma famille. For example, in my sphere of influence, I want to see perhaps reconciliation to Christ for every member of my family. Ou alors, ça peut être aussi, aujourd'hui, j'habite dans un appartement, j'ai un deuxième bébé qui arrive, j'ai besoin d'une maison. Or it could be in my case, I live in a small apartment, I've got a second baby coming soon. I want to see a change in my living circumstances. Donc la chose que je veux voir changer. The number one thing that you want to see changed. Tout d'abord dans ma vie. In your life. Deuxièmement dans mon entourage, mes zones d'influence. Then, after that, consider your sphere of influence. What change? Troisièmement dans mon église. Third thing, your church. Je vais vous laisser quelques instants pour clôturer. I'm going to give you a few minutes to listen to the Holy Spirit. La deuxième chose qu'on va noter ce matin. Now the second thing we're going to write down. C'est noter une chose à faire d'ici le mois de septembre pour initier ce changement que vous voulez voir. Write down one thing that you can do between now and September to initiate that change. Donc vous venez d'écrire qu'est-ce que vous voulez voir changer absolument dans ces trois domaines. You've just written down what you want to see changed in those three areas. Et là, qu'est-ce que je vais en faire aujourd'hui? So the second question is, what am I going to start to do today? Si ce que je veux changer, c'est ma gestion du temps. If it's regarding the use of your time, for example. À partir d'aujourd'hui, ce serait ce que je peux faire, c'est par exemple respecter tout simplement mon heure de réveil le matin. I'll give you an example. Starting today, the one change I can make to get this whole process going is to just respect the time my alarm goes off in the morning. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour initier ce changement? Very concretely today to get this change started. On va réfléchir et je vous laisse noter. Think about that, listen to the Holy Spirit, and write it down. Maintenant que vous avez noté, qu'est-ce que vous allez changer aujourd'hui? So, now you've written down what you're going to change today. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour opérer ce changement? More specifically, what are you going to do today to get the change started? Il faut vraiment le faire aujourd'hui, d'accord? And you need to commit to doing it today, starting today. Moi, je sais que j'ai tendance à oublier les choses. I know sometimes I forget things. Donc, il faut que je les écrive pour ne pas oublier. So, I need to write them down. Et je mets tout le temps des rappels dans mon portable. Donc, s'il le faut, maintenant que vous avez noté une chose à faire aujourd'hui pour initier un changement, sortez tout de suite votre portable, vous vous mettez un rappel
pour 17 heures aujourd'hui pour faire telle chose ou je ne sais quoi. One thing that I do a lot is put reminders in my phone. So if you need to do that kind of thing, pull out your phone and write down, type in 5 o'clock today. This is what I'm going to do to initiate change. D'accord. Okay. Donc juste une troisième petite chose à rédiger, puis on passera à autre chose. We're going to write down a third thing, and then we'll be finished. Une fois qu'on a identifié ce qu'on veut changer. First, you identify what you want to change. Deuxième chose qu'on fait aujourd'hui pour opérer ce changement. Secondly, what are you going to do today to start the change? La troisième chose, c'est qu'est-ce que je peux faire pendant le jeûne de Daniel pour approfondir ce changement. The third thing is, what can I do during the Daniel fast in September to go deeper in that change? Donc, qu'est-ce que je vais faire demain pour vraiment m'assurer que ce changement perdure? What am I going to do, in other words, to make sure the change lasts? Je vous laisse noter. Think about it, listen to the Holy Spirit, and write it down. Une dernière chose qu'on peut faire aussi pour concrétiser tout ça. One last thing that we can do to make this all very tangible. C'est partager cette liste avec un frère si vous êtes un monsieur ou une sœur si vous êtes une femme. You can share what you wrote down with someone else. If you're a guy, share it with another guy. If you're a lady, share it with another lady. Un frère ou une sœur en Christ. A sister in Christ. Ou si vous êtes marié, c'est votre époux ou votre épouse. Or if you're married, share it with your spouse. Pour aller plus loin vraiment dans cet engagement de changement. Because this will help you to go further in the commitment you're making as you write these things down. C'est quelque chose de bon, de très simple. J'aime bien quand les choses sont concrètes, donc. I like when things are concrete and tangible. J'ai eu à cœur de faire ce petit exercice, mais n'hésitez pas à utiliser ça et aller plus loin dedans. C'est juste un outil. But that's why I wanted to do this exercise. You can go as far as you want with this kind of exercise. It's just a tool for you to use. Surtout, voilà, ça sera encore mieux de passer un vrai temps avec le Seigneur plus long. On peut vraiment sonder le cœur de Dieu et dire, OK Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux voir changer dans ma vie, dans mon entourage, dans mon église. It would be even better if you took a longer time in front of the Lord and say to him, Lord, what do you really want to see change in my life, in my sphere of influence and in my church? Et quelles sont les choses que je peux faire aujourd'hui? And what are the things that I can start doing today? Et encore demain pour aller plus loin. And what can I do tomorrow to go a step further? Le changement va pas se produire tout seul. Listen, change doesn't happen by itself. Le changement ne va pas se produire tout seul. Change does not happen by itself. En tant que chrétien, on le dit tout le temps, on ne croit pas au hasard. As a Christian, we say this all the time, we don't believe in chance. C'est pas l'évolution qui détermine le cours des choses dans notre vie. And it's not evolution that's going to determine what happens in our lives. Alors oui, c'est Dieu parce que on a remis le contrôle au Seigneur. It is the Lord, he's involved because we gave him control of our lives. Mais tout à l'heure, on a dit que un des outils le plus puissant que Dieu nous a donné pour le changement, c'est notre propre volonté. But as I said earlier, one of the most powerful things God has given you is your own will. Je pense qu'on néglige trop souvent ce pouvoir que Dieu nous a donné. And sometimes I think we neglect that power that God has given us. Il nous a donné la capacité de résister au diable. He gave us the ability to resist the devil. De poursuivre Dieu. To seek God, pursue God. De se convertir, de changer de voie, d'être transformé. To change the path we're walking on, to be transformed. Il nous a donné cette capacité. He's given us that ability. C'est pas impossible. So it's not impossible. Frères et sœurs, c'est pas impossible. Listen, brothers and sisters, it's not impossible to change. Tu te dis, mais ok, je vois la personne que j'ai envie d'être, mais je suis tellement loin de ça aujourd'hui. Some of you are saying, I see the person I want to become, but I feel so far away from that person. Mais si Dieu t'a donné cette image, c'est pas pour
te narguer ou t'embêter pour dire « Ah bah voilà, voilà ce que tu dois devenir, mais c'est inatteignable. » Non. But if God gave you that picture of who you're meant to be, it's not just to hassle you, it's to make it real for you. Dieu est là pour t'accompagner tous les jours, toutes les secondes de ta vie. God is here to accompany you every day, every second of your life. Tu as sa parole. You have his word. Son être incarné en mots pour nous à lire et découvrir et manger quotidiennement. The living word of God that you can eat and digest and consume every single day. Mais il a aussi livré son fils à la croix. He gave his son up on the cross. Pour qu'on ait un accès libre à sa présence. So that we would have free access to his presence. Le voile est déchiré, il n'y a plus de séparation. The veil was torn from top to bottom. There's no longer separation between you and God. Il n'y a plus 10 000 cérémonies à effectuer ou être un prêtre, enfin, au sacrificateur pour accéder à sa présence. You no longer need to be a high priest and go through 10,000 different rituals in order to access the presence of God. Jésus a tout donné. Jesus gave everything. Jésus a tout accompli. Jesus did everything, accomplished everything. Et aujourd'hui, tu as l'outil le plus puissant, c'est sa présence. And today, your most powerful tool is his presence. Sa présence. His presence. Sa présence. His presence. L'atmosphère qui incarne l'essence de sa nature. The atmosphere that embodies the essence of his nature. On l'a lui. That's who we have. Nous avons Dieu. We have God himself. Nous avons sa présence qui est tout simplement une manifestation de qui il est. His presence is simply a manifestation of who he really is. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps, mes amis, vraiment. My friends, today is the day. It's time. Ne te dis plus est-ce que vraiment je vais y arriver à changer ça. Stop saying to yourself, oh, I don't know if I can do this. Can I really be changed? Dieu a tout donné. God gave everything. Amen. Je vais clôturer avec une prière, mais vraiment que, en fait, on va laisser juste quelques minutes ce fond instrumental, et je vous invite tout d'abord à faire votre propre prière envers le Seigneur. I'm going to close with prayer, but I want you to pray from your own heart as the music continues. Je vous invite à fermer les yeux. Just close your eyes with me, please. Et voyez cette image. I want you to see this image. Qui je veux être. Who I want to be. Qui Dieu veut que je sois. Who God wants me to be. Regardez, visualisez. Look, see it, visualize it. Toutes les choses autour de toi qui peuvent changer. Begin to see all the things around you that can be changed. Dans ma famille. In your family. Dans mon travail. In your workplace. Dans ma rue, mon quartier. On my street where I live, in my neighborhood. Dans mes cercles, mes amis. Among my friends. Dans mon pays. In my nation. Toutes les choses que je veux voir changer. All of the things I want to see changed in my nation. Mais ne voyez pas les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Voyez ce qu'elles doivent devenir. Don't look at the things the way they are today. Look at what they're meant to become. Cette magnifique image de finalement ce que Dieu veut vraiment pour nous tous. This amazing image of what God wants for all of us. Ce qu'il avait prévu avant la fondation du monde. And what he anticipated even before the foundation of the world.
Seigneur, merci. Lord, thank you. Je vois, Seigneur, la personne que je suis vraiment en toi. I see the person that I am in you. Et que je veux devenir. That I want to become. Je vois la vie que tu as prévue. I see the life that you have reserved for me. Je vois le monde que tu veux dessiner. I see the world as you intended it to be. Je vois mon église telle que tu la veux. I see my church the way you want her to be. Et aujourd'hui, je décide. And Lord, today I decide. De ne plus attendre que le changement se produise par hasard. To no longer wait for change to happen by chance. De ne plus attendre non plus que ce soit toi qui agisses. To no longer simply wait for you to move. À attendre et me plaindre et rester les bras croisés. And stand there with my arms crossed, complaining and murmuring. Seigneur, tu veux faire de nous des acteurs du changement. Lord, you want to make us agents of change. Des agents du changement. Instruments of change. Et tu nous as tout donné. You gave us everything. Pour y arriver. To succeed. Aide-nous, Seigneur, à toujours avoir cette image nuit et jour devant les yeux. Help us to always keep this image before our eyes, night and day. Et ne pas nous laisser décourager quand les choses ne vont pas comme on veut. And not allow ourselves to be discouraged when things aren't going the way we want them. Et nous à nous rendre compte que nous avons tout pouvoir pour effectuer un changement. Help us realize that we have every power necessary to create change. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen. Amen and amen. Je pense qu'on va transitionner à un moment de prière avec le reste de l'équipe et restons vraiment dans cette atmosphère. Je pense que le fond musical va continuer, que vraiment laissons vraiment le Saint-Esprit continuer à agir, à nous révéler. Allow the Holy Spirit to continue moving, revealing things to you as we transition to a time of prayer with the rest of the team. Amen. Merci pour votre écoute. Thank you for listening. Amen. 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 Wow. Woo. Merci beaucoup, Rihanna. Excellent message. Et quel challenge pour nous tous. It was an excellent message and an extraordinary challenge for all of us. Amen. That's true. Yes. Hi. Hi. Alléluia. Pasteur Jean-Pierre, tu vas venir aussi. Alléluia. Une des choses, Rihanna, juste peut-être avant qu'on prie, une chose qui m'est venue à l'esprit. One thing, Rihanna, that came to mind, maybe right before we pray. Je crois que depuis ta naissance, en fait, on a toujours parlé entre nous, à la famille, par rapport au changement. I think ever since your birth, we've always talked about change in our family. Ah, c'était juste, ça faisait partie un petit peu de notre langage, notre culture. It was very much a part of our language and of our culture. Et je me rends compte aussi que probablement pour la majorité des gens, ce n'était pas le cas chez eux. But I'm realizing that may not have been the case for a majority of people. Tu vois? Pour nous, dès qu'on voit quelque chose en nous-mêmes qui nous déplaît, for example, many of us, when we see something that we don't like in our lives, il y a une réaction immédiate. Ah zut, il faut que je change ça. There's this automatic reaction. Oh, we need to change. Je n'aime pas ça. I don't like what I see. Je n'aime pas ce que je vois en moi. I don't like what I see. So I don't want to stay this way. C'est pas la réaction de se pointer le doigt en disant ah bah il m'a fait ça, exactly. il m'a fait ça. It's not a question of reacting like that person did this to me, that person did this, that person that. You're not looking at others. Et je crois une des raisons pour lesquelles, je sais pas pour toi, Pasteur Jean-Pierre, mais je pense une des raisons pour lesquelles on a tellement mal à voir du changement parmi les chrétiens.
I believe one of the reasons we really have a hard time seeing change in Christians. Et je ne dirai jamais que je suis un champion de changement. And I'm not saying I'm a champion of change. Je sais pas, mais j'ai écrit toute deux pages de trucs à changer. I don't know about you guys, but I was writing down two pages of things I want to change. Je dis mince alors, il y a encore. Not again. This too. Oh, no. Mais que je me demande vraiment combien de gens ils ont vu des choses à changer. I wonder how many people truly saw things that need to be changed. Quand je rencontre des chrétiens qui sont confrontés avec des défauts, des faiblesses, des échecs. When I meet Christians that confront their weaknesses, their failures. Ils luttent continuellement avec un esprit de condamnation. Right. The main thing they have to fight against is a spirit of condemnation. Parce que tu as échoué, tu es une mauvaise personne. Right. Because you failed, you're a terrible person. Right? Constamment. All the time. Ok, si tu as échoué, si tu as une faute, c'est parce qu'il y a un. C'est pas une question de changer quelque chose. J'ai un problème ou je suis un problème. The reaction when there's a failure or a mistake or a weakness is not I need to change. It's more like I'm a problem. Désolé, je prends un petit peu de temps avec ça parce que je pense vraiment qu'une très, je dirais même une majorité de chrétiens se trouve dans cette catégorie. I would even say a majority of Christians are in this category. Que dès qu'on relève la question de changer, je lutte avec une condamnation. Right. The minute we talk about change, most of us battle condemnation. Mauvais garçon, mauvaise fille. Terrible boy, terrible girl. Boom. Dieu est en train, il va me gifler quoi. You feel like God slapping you in the face. Et c'est horrible. It's horrible. C'est une prison. It is a type of prison. Et donc Dieu veut qu'on aime le changement. So God wants us to love change. Mais pour aimer le changement, but to love change, il faut accepter que j'ai des problèmes. You need to admit you have problems. Mais pour accepter que j'ai des problèmes, but in order to accept that you have problems, je dois accepter que Jésus-Christ est mort à la croix. I have to also accept that Jesus died on the cross. Et que Dieu m'aime. And that God loves me. Que Dieu m'accepte entièrement. God fully accepts me as I am. Et que je profite pleinement de sa présence. And I benefit from his presence already. Avec les problèmes. Even with the problems and the weaknesses and the failures. Amen. Do you understand? Mon changement n'est pas. En fait, l'amour de Dieu, l'approbation de Dieu n'est pas conditionnelle par rapport à mes changements. The love and approval of God is not conditional. Amen. On your changes, on the changes. Amen. Tu vois, on t'a jamais dit, bah, oh là, t'es mauvaise fille. You know, your parents never told you you were terrible. On t'aime plus. Girl, we don't love you anymore. Il faut que tu changes ça. You need to change this and this. Si tu veux notre amour, if you want our love, faut que tu t'améliores. You need to improve. Jamais, tu never, n'as jamais entendu ça. Ever said quoi that. Que tu fais, listen, quoi whatever que, you do, quelles que soient tes décisions, whatever decisions où you make, tu vas dans la vie, wherever you go in life, tu serais deux choses. You will always be two things. Je t'aime. God loves you. Et tes parents t'aiment. You know this, God loves you and your ça parents love you. Jamais. Period. Amen. That will never change. Est-ce qu'on peut prier can un we petit pray peu into dans this? Ce sens I aussi. Believe that's something Amen. We need to do. Sécurisons le peuple de Dieu. The people of God need to be secure. Pour que par la suite Dieu les amène où ils désirent ardemment le changement Amen. Mais pour les, toutes les bonnes raisons. Tout à fait. To that place where they want change, but for all the right reasons. Amen. Amen. Tu peux commencer dans prier dans ce sens et peut-être Pasteur Jean-Pierre. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, merci pour cette parole, Seigneur, vraiment pertinente. Et Père, je sais combien de fois je lutte avec ce géant. Thank you, Lord, for this word, which is very pertinent. I know how many times I fight against that giant. Alors même que j'ai une famille merveilleuse qui m'a toujours aimée et soutenue. Even though I grew up in a family that was wonderful, always loved me and supported me. Le nombre de fois toujours aujourd'hui où cet esprit mensonger vient m'attaquer.
The number of times that lying spirit tries to attack me, even today. Je ne peux qu'imaginer mes autres frères et sœurs qui luttent avec ce même géant. And if that's the case for me, I can only imagine my brothers and sisters who are fighting that giant. Qui ont peut-être eu une enfance difficile, qui n'ont pas du tout reçu le même amour. Maybe they had a difficult childhood or they didn't receive that same kind of love. Alléluia, mais Seigneur, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. But your word says there is therefore now no condemnation for those who are in Christ. Il n'y a aucune condamnation. No condemnation. Alléluia, Seigneur. Il n'y a aucune condamnation. There is no condemnation. Mon frère, ma sœur, la prochaine fois que ces mensonges viennent te hanter. My brother, my sister, the next time this lie tries to haunt you. Et où tu te dis mais oh, je suis horrible, je me déteste même. You start hearing that voice, you say to yourself, oh, I'm so terrible, I hate myself. Cet esprit de haine contre soi. That spirit of self-hatred. Quand tout ce que tu peux, quand t'as l'impression que tout ce que tu peux faire, c'est juste te jeter des coups. Where you just feel like you want to hit yourself. Mm. Vois Jésus. At that very second, look at Jesus. Vois Jésus à la croix. See Jesus at the cross. Alors que t'es en train de te maudire. Even as you're cursing yourself. Jésus avec les mains percées. See Jesus with his hands pierced. Vois son amour, vois son regard. See his love for you. See the look in his eyes. Vois et entends. Mais mon enfant, j'ai tout donné pour toi parce que je t'aime. Hear him say to you, my child, I gave you everything because I love you. Yes. Et toute pierre que tu te jettes contre toi, tu la jettes contre moi. And every stone you're throwing at yourself, you're actually throwing at me. Je n'ai pas donné ma vie pour que tu aies autant d'haine contre toi. I didn't give my life so that you would have so much self-hatred. J'ai donné ma vie pour que tu sois libre. Yes. I gave my life so you would be free. Sois libre. Be free. Yes, amen. Il n'y a aucune condamnation. There is no condemnation. Sois libre. Be free. Sois libre. Be free. Yes, God. Cette liberté que j'ai achetée au plus haut prix. Because I purchased that freedom at a great price. Tu es libre. You are free. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus.